Salut à toutes et à tous, c'est Galius. Aujourd'hui, 29e épisode, 29e épisode de Zelda Link Between Worlds. Alors, je sais ce qu'il faut faire. Et... En fait, je sais un peu pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, je pensais que c'était un chemin grand. J'ai pas le temps, là. Ok, hop. J'ai vu ce qu'il y avait dans le coffre. Donc il faut pas passer à côté de ça. Et aussi, on va aller récupérer la dernière roche de légende. En fait, j'ai dû le faire tout à l'heure, mais... Oh mon dieu, je suis jamais arrivé ici. Oh là là. Et voici donc la tunique rouge. Les dommages infligés par vos ennemis sont à nouveau réduits de moitié du jamais vu. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je la récupère. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir du donjon. Ah, j'aurais peut-être pu tomber là. Bon, c'est pas grave. Dégage! Oh, 50. Je crache pas dessus. C'est là. Non, c'est pas là, pardon. Attendez, je la refais. Il y avait le cercle vert. Et il est où? Attendez que je... Ah, il doit être là. Ok. Il faut absolument que j'aille récupérer cette roche légende parce que mon arme, à mon avis, va pas être assez puissante. Ça serait dommage de passer à côté. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a... Ah mince, je me souviens plus. Mohamed, je sais plus vraiment ton... Écoute, je vais sauvegarder, oui. Ah punaise, c'est pas possible ça. Bon, je vous retrouve tout de suite. Voilà, re. Alors, non, j'ai pas envie. C'est... Oui, voilà, ouvrez le menu, blablabla, ok. Allez, vite, avant que... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, punaise. Oui, c'est bon. Alors, donc, merci Mohamed de m'avoir donné les indications pour trouver la dernière roche de légende. Alors, je lis, je cite, « Egalius, écoute bien ce que je vais te dire, car c'est important. La troisième et dernière roche de légende se trouve dans le sanctuaire, l'église du début du jeu, mais dans l'Orule. Va dans ce sanctuaire dans Hyrule. » Ok. Bon, déjà, je m'en vais de là parce que qu'il y a trop de monde. Oh là, allez. Hey oh, c'est moi. Et c'est pas la tunique rouge. La bleue était sympa aussi, mais la rouge... J'ai un petit lutin. Ouais, je pense que j'en aurais besoin vraiment de la dernière roche de légende, c'est pour la faire forger au forgeron. où est-ce qu'il y a une... Pas loin là, je crois ici, voilà, très bien. Donc j'y vais dans Hyrule, je vais dans l'église du début du jeu. Je crois que c'est dans le sanctuaire, c'est ça? Ah oui, va dans ce sanctuaire, dans Hyrule. Non! Va dans ce sanctuaire dans Hyrule. Au fond, il y a une faille vers l'Orule. On le refait. Voilà, sortir. Non, toi, s'il te plaît. Non, m'en fout. Oh, quoique, un cœur, si. Pour une fois qu'elle est utile. Yes! Pour une fois qu'elle est utile, cette dame. Ok, l'église. Ah, mais ça va déjà zoomer. L'église, elle est... Ah, bah, elle est là. Ok, alors, on va faire ça. On va aller là. Sanctuaire, génial. On va dans ce sanctuaire, dans Hyrule. Au fond, il y a une faille. Tu entres, tu allumes la lumière avec ta tronche. Avec ta torche, pardon. Pas lire moi. Il est où le sanctuaire? Ça rappelle des souvenirs ça, premier épisode. Bon, la série met un peu de temps à se finir, je suis d'accord. Mais bon, en même temps... Voilà quoi, je fais pas qu'une série sur la chaîne en même temps. Alors, la torche. Da-da-da-da. Ok, va au bout, il y aura une faille.
C'est quoi ça? Le chemin s'ouvrira pour celui qui apporte la lumière. Oui, non, mais j'ai déjà apporté la lumière. Oh, le quart de cœur! Comment je vais en haut déjà? Par contre, ils sont un peu confort ces petits trucs là. Ah non, ça s'éteint tout seul. Abusé. Allez! Ah, des bigorneaux. Des tigorneaux, pardon. En fait, c'est pas des bigorneaux, c'est des tigorneaux. Jusqu'avant, je pouvais pas faire ça, je pense. Et le voilà, le fragment de cœur. Trouvez-en encore deux, trouvez-en encore deux. Ça sert à rien ce que je fais là. Donc, va dans le sanctuaire dans Hyrule. Au fond, il y a une faille vers l'Hyrule. Bah, c'est quoi ce chemin là, noir là? C'est quoi ce truc où tu peux pas aller au fond? Ah, il est en haut, pardon. Là, peut-être. Je vous défonce, moi. Je rigole pas. D'ailleurs, il fait nuit dehors, donc. Donc voilà, j'ai pas allumé la lumière. Ah non. Va dans le sanctuaire dans Hyrule, au fond il y a une faille vers l'Hyrule, tu entres, tu allumes la lumière avec ta torche, le vieux te parle, c'est pas intéressant ce qu'il dit, bref. Que dis-tu? Tu as vu Céleste? Je dois... je vois, ma fille est bien vivante, oh Dieu, je vous remercie. Si t'es encore vivante, je sais que je reviens. Merci Gaius. Mais comment as-tu fait pour... Tu ne le sauras jamais. Moi! Bon, ok, j'imagine que c'est là, hein. De la lumière! Ça faisait bien 3 ans qu'on n'avait pas vu dans ce sanctuaire. Ce monde est ravagé, plus personne ne vénère nos dieux, plus personne ne vient ici. On dirait bien que ce pays court à sa ruine. Ok, merci. Très utile. Attends que je loue. Oh! La roche de légende! C'est peut-être pas ça qu'il fallait faire en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Le vieux, c'est pas intéressant ce qu'il dit. Bref, en allant vers la sortie, tu vois un gros coffre en hauteur. Tu peux pas l'avoir, donc tu sors, tu vas vers le cimetière. Ok, il faut sortir, les gars. Les gars, on sort. En allant vers la sortie, tu vois un gros coffre. Dégage. En hauteur, tu peux pas l'avoir, donc tu sors, tu vas vers le cimetière. Tu découpes les fleurs qui sont en haut à droite. Il y a un trou, tu tombes. Il y a un trou dans les fleurs. J'y veux lui. Ah non, c'est le gentil lui. C'est vrai que je me souviens qu'il y avait lui. Oh, c'était il y a longtemps. Il y a un trou, tu tombes. C'est gentil, mais je pourrais y tomber moi. Oh, saleté. Ah oh, tiens, je l'ai jamais fait. Tu vas, donc sûr, tu vas vers le cimetière, tu découpes les fleurs qui sont en haut à droite, il y a un trou, tu tombes. Ça se trouve, c'est les fleurs que j'ai pas toutes coupées ici. Ah si. Ah c'est bon, j'ai tous mes cœurs. Il y a un trou, tu tombes. Et si j'ai pas envie de tomber? Tu vas en haut à droite. Attendez, vous êtes sûr que c'est pas là, là? Non. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas ces fleurs-là. Il dit quoi? Hé, hey, tu me vois? C'est à moi que tu parles. Ça faisait bien 10 ans que personne ne m'avait adressé la parole. 20 ans. Bref, ça faisait longtemps. J'étais le fossoyeur du cimetière.
Ouais, je sais, on s'est déjà parlé, je crois. Dégage, toi. C'est pas ça qu'il faut enlever plutôt? Si, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Tu vois un gros coffre? Autant, j'ai déjà vu que c'est en droite, il y a un trou, tu tombes, tu utilises le mur et voilà, t'es au coffre. Non, je pense pas que ce soit ça. Mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Génial, un rubis. Ça faisait longtemps qu'on nous avait pas eu comme ça. Enfin, merci en tout cas, vous êtes quand même nombreux à me laisser des commentaires intéressants et qui m'aident. Donc, la plupart du temps, je. Ça va être que des rubis, c'est ça, j'imagine. Mais je sais pas si c'est ça qu'il faut. Faut faire hein. Ah, c'est stressant ce truc avec tous les yeux. Pas une lumière quelque part, j'aime pas qu'on appelle lumière. C'est marrant ça. Mais bon, c'est marrant, mais ça risque de m'enlever des cœurs donc. Je crois qu'ici il y a une clé. J'ai regardé les vidéos de gars sur YouTube. De gars sur YouTube. Et il obtenait une clé pas loin. Mais pas dans un coffre en fait. Vraiment posé comme ça. Exactement là. Dommage que je vois rien, sinon je serais vraiment allé jusqu'au bout, mais là. Mais là on va directement aller à la porte. Je crois que c'est là. Non, c'est pas là, c'est bientôt là. C'est là. Hop. Ah non. Oh, s'il vous plaît. Oh punaise. C'est bon, je les ai eu les trois. Ok, là il y a quoi? Rien. Là, il y a quoi? Rien. On continue. Je sais pas si c'est ça, hein. Parce que lui, il m'a donné un truc. Ah non, c'est un piège, ça. Ah non, tout ce qu'il y a! J'en ai fait tomber des milliers, là. C'est pas possible. Bon bah si c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah si, peut-être par là je passe. Et voilà. Vous avez obtenu un morceau de roche de légende. Si, señor, si. Merci à beaucoup Mohamed de m'avoir donné cette astuce, tu te reconnaîtras je pense. Pourquoi tu m'as dit d'autres choses? Mais bon, c'est pas le plus important. C'est à Hyrule que je dois aller, je crois. Pour faire. Non, c'est pas sûr. Forge, voilà. Non, c'est peut-être ici. Certes. Nous, on va améliorer donc. Tac. Tac. Voilà. On va améliorer. Mais je rêve! Là, tu as des roches de légende. Je vais pouvoir l'utiliser pour améliorer ton épée. Tu voudrais pas me la confier? Bah si. Allez, bouge-toi, on fait du boulot, on va améliorer l'épée du gamin. Enfin, ça faisait longtemps. Bouge pas de là. Et voilà, gamin. Waouh, elle est jeune. Cette ultime transformation fait d'elle une arme réellement digne d'un héros. Alors, c'est qui le meilleur forgeron? Ton épée la plus puissante qui soit, plus personne ne peut te résister. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé comme ça. Ok.
Ok, merci les amis. Bon, bah maintenant on va retourner dans ce château et puis on va affronter le boss. Le boss final. Tac. Tac. Waouh. Je crois que c'est vraiment la fin là. Alors j'ai vu des vidéos, il y en a qui affrontaient des genres de d'ombres ou des méchants qui sont un peu partout dans l'Orule. L'Orule ou Hyrule, je sais plus. Hyrule, je crois. Je sais pas comment on fait pour les amener. Bref. Waouh, c'est quoi cette arme fou là. En même temps, ça l'a quand même mis KO au bout de 40 coups, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on batte ce boss. Et c'est parti. J'espère que j'ai rien oublié. Je me suis foncé comme un bœuf. Ah ouais, c'est vrai, on était venu là à la base. J'ai oublié. Alors attendez. Défait. Bah normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Regardez. Déclenche l'attaque dévastatrice qui élimine les ennemis environnants. Bon, au pire, on peut la vider. Ouais, je fais X. Je vais la vider parce que je sais pas si ça va être utile en fait contre le boss. Attendez, je relis ce qui est marqué. Déclenche une attaque dévastatrice qui émine les ennemis. Non, je pense pas. Et ça restaure complètement votre jauge d'énergie vitale à ne pas utiliser à la légère. Ça, c'est cool. C'est juste que je vais vider ça. Voilà. Et maintenant, le vase X. Quoi? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça veut pas rentrer dedans? Ouais, bon, ça pue, hein. C'est où la suite? C'est où qu'il faut aller? Ah, il faut toutes les prendre. Ah, si, attendez. Ça me fait peur. Bah c'est là, non? Ah, peut-être il faut donner un coup. Pas possible d'être perdu à ce niveau-là du jeu. C'est incroyable. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Pensez que j'ai oublié quelque chose? Mais non, si ça s'est ouvert, c'est que il faut que j'y aille. Bon, écoutez, je comprends pas, je retourne. Je sais pas si c'est là, hein. En tout cas, ça me fait peur. Ah, si, ça doit être là. Ainsi, tu es de retour. Tu as obtenu la Triforce du Courage, n'est-ce pas? Princesse. Revenez à moi. Ah non, c'est pas la princesse, c'est la Triforce. Pourquoi je vais avoir peur quand elle va se retourner? Ah non, ça va. Alors, si tu le veux bien, je voudrais te raconter l'histoire de mon royaume bien-aimé. En des temps reculés, l'Orule détenait un fabuleux triangle d'or qui exauçait les vœux de quiconque le touchait. On l'appelait la Triforce.
Cette triforce éveilla les convoitises et le royaume de Lorule fut bientôt déchiré par la guerre. La famille royale d'alors, mes ancêtres, prit finalement la décision de détruire ce qui leur avait valu tant de malheurs. Ce fut une terrible erreur. La Triforce était le pouvoir des dieux, la fondation même de notre monde. Dès qu'elle fut détruite, Lorule sombra dans la décadence. Sans sa Triforce, notre monde était condamné. Ce n'est que bien plus tard que nous apprîmes l'existence d'une autre Triforce. La Triforce, sagesse, force et courage réunis. C'est pour éveiller la Triforce du courage qui sommeillait en toi que je t'ai guidé. Je suis la souveraine de ce royaume et je corrigerai l'erreur de mes ancêtres. Ainsi, donne-moi la Triforce du courage. Oh punaise, ça m'a fait peur. J'en ai des frissons. Ah, ce regard. Oh mon dieu, je peux pas regarder. Mais t'auras que dalle, Hilda. C'est ça, rigole, rigole. Tu l'auras pas la Triforce, tu l'auras jamais. Oh punaise, il amène Ganondorf. Elle amène Ganondorf, c'est ça, c'est bien. Empare-toi de la Triforce du courage, Yuga. Ah non, c'est Yuga. Rends à mon royaume sa grandeur passée. Écoute. Bon, moi ce que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il faut courir. Oh punaise! Ah, c'est bon, je l'ai eu. Oh, comme il m'a eu! Ah, le. Jubuju. Jubuju. Ah, bah, non, je peux plus envoyer mon truc. Alors, attendez, inventaire. On va déjà être intelligent. Est-ce que ça marche si je le brûle? On va essayer deux trucs. Le boomerang. Et la brûlure. Ça marche pas, on essaiera les flèches, ok. On va d'abord tenter le boomerang. Non. Non, je peux pas t'étourdir. Non, ça marche pas, ok. Ça, ça marche. Ouais, ça a l'air de l'avoir touché. Si, si, ça touche. Ça l'a touché visiblement. Et ça m'a l'air plutôt pratique comme astuce. Ouh, le méchant pas beau. Oh, combien il m'a eu. Ah, désolé, je suis pas exprès. Il est rapide en fait. Ah, le truc trop nul. Ah, oh, je suis tombé un papier, c'est pas grave. Non, j'ai trop utilisé mon truc. Oh, c'est pas moi, c'est pas moi. Oh, j'ai pas compris pourquoi la fée elle voulait pas rentrer dans le flacon. Hein. Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Prenez à viser un peu. Finalement avec la roche de légende de... Fou zut. Ah il m'a eu. Mais comment il peut m'avoir. C'est bon, mais il dégage. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade là. On peut pas aller dans le mur. Il y a pas un mur. Ah, oh, pourtant je me suis esquivé, mais un peu trop loin. Un peu trop tard sûrement. Oh punaise. Excusez-moi, mais... Bon, heureusement qu'il y a des fées, tout ça. Oh, mais arrête de viser où je veux pas viser, bon sang.
Ça, en fait, il faut courir sans arrêt. Ça, par contre, c'est tendu. Ça, par contre, c'est tendu. Bon, c'est pas grave. Normalement, la fée va me restaurer. Ma vie. Non, 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 non. Et la fée. J'ai deux fées, hein. Tu l'utilises, hein. Ok, très bien. Et en plus, j'ai une potion qui peut tout me... Bref, je suis prêt pour le battre, quoi. Pas de soucis. Ah zut, c'est bête ça par contre. Zut. Excusez-moi. Ah mais il m'a eu au dépourvu. Je sais pas si c'est vraiment... Ah punaise, ça m'énerve ça. Ah vite, inventaire. Ça. Je la mets là. Restaure complètement votre jauge d'énergie vitale et ne pas utiliser la légère, ok. Zut. Ouf, c'est bon, c'est bon. C'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Allez, come on, là, bouge un peu, zut. Non. Punaise, mais il bouge trop vite. Ah, à chaque fois que je me trompe, je crois qu'il apparaît. Non, mais c'est fou, hein. Il se vire direct, quoi. Et moi, je sais pas viser aussi, donc forcément, ça aide pas les... Ça aide pas les choses. Allez, cours, 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 Forest. Voilà, par contre, j'ai plus trop de chance, j'ai plus trop 40 000 potions, quoi. T'appuies sur force. Allez, cours, cours, cours. Punaise. Allez, comment. Non, pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas. Il est vraiment rouge là. Allez, allez, allez. Oh oui. Yuga, donne-moi la triforce de la force. Sans elle, l'orule est... Qu'est-ce que... Pour être parfaitement honnête, ma chère Hilda, je moque bien de ce qui peut arriver à ce pays lugubre. Aussi, tu m'excuseras si je préfère vivre mon propre rêve. Je reconstituerai la Triforce et ferai de ce monde un véritable chef-d'œuvre. Ta place est d'ailleurs toute trouvée. Tu seras le joyau de ma collection. Tiens, bien fait, traîtresse. J'ai vraiment eu peur, je pensais qu'il allait me rattaquer. Oh, quelle beauté radieuse et quel chef-d'œuvre, décidément tu ne me déçois pas. Je sais pas, en fait, c'est fini. Je sais pas. Oh, c'est pas fini, je crois.
Oh mon Dieu. Oh. Ah, 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 ah. Je possède enfin la plus belle chose que cet horrible monde ait à offrir. Sans oublier le pouvoir des dieux. Moi j'ai la Triforce de la Force, c'est ça? Il ne me reste donc plus qu'une chose à faire, m'assurer de ne plus jamais revoir ton affreux visage. Oh non, Dieu. Oh, c'est pas fini. Ouh, que je vais être mal, je sens. Bon, sauf que maintenant je peux aller sur les murs, quoi. Ça a pas l'air d'être très gentil ce qu'il fait. Si, c'est juste des petites balles violettes là. Vous pensez qu'il faut la renvoyer? Ouf. Je pense qu'il faut la renvoyer. Non, attendez, je comprends pas ce qu'il faut faire là. Ah voilà, ok. Ok, c'est une partie de ping-pong, d'accord. Comme dans Phantom Hourglass, je m'en souviens très bien. Oh, punaise, mais c'est trop dur, ça marche ou pas là? À moins qu'il faille... Attendez, j'essaie un truc. Oh punaise, il m'a eu. Non! Attends, on va attendre. Ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Et là, je fais quoi? Allez, mais c'est pas possible, ça marche une fois sur deux, quoi. Ok, à mon avis, il faut la prendre à un moment précis, je pense. Ok, c'est bon, j'ai capté. Putain, j'ai perdu la moitié de mes cœurs pour rien, quoi. Gallius, m'entendez-vous? C'est moi, Zelda. Lorsque Yuga se transforme en peinture murale, les attaques normales ne l'atteignent pas. Les attaques normales n'atteignent pas. Ok. Prenez ceci. C'est ça les flèches, d'après ce qu'on m'a dit. L'arc, voilà. J'espère que je vais y arriver, honnêtement, j'aimerais vraiment y arriver, mais je pensais pas qu'il y allait avoir encore... Encore un truc. Vous avez obtenu l'arc de lumière. Cet arc est imprégné de la lumière de la Triforce. Vous ne pouvez l'utiliser que lorsque vous êtes transformé en peinture murale. Cet arc est imprégné de la lumière de la Triforce. Ces flèches seules peuvent atteindre Yuga malgré ses transformations. Il vous faudra emprunter le mur pour les décocher. Avec cet arc, Gallius, vous arrêterez Yuga. Je n'en doute pas un instant. Ah si, j'en doute un peu en fait. Alors attendez, inventaire, ça met en pause, ok. Alors, stylet. Petit stylet. L'arc de lumière est là. Une arme imprégnée de la lumière de la Triforce. Ok, bon, on enlève le facon qui est inutile. Et en gros, il faut attirer avec X. Ah, ok. Pas. Je l'ai eu ou je l'ai pas eu là? Ah, moi il fallait l'avoir par derrière. Je pense. Attendez, il va faire demi-tour. Ok. Ah ouais, allez. On est plus vite que lui. Bon, tant que je perde pas de vie, c'est le principal, mais j'ai plus rien pour récupérer de la vie. À part une fée. C'est si je meurs.
Ah, je sais, attendez. Ok, je capte. Oh punaise, d'accord, on va devoir jouer à ça tout le temps. Ah, attends. Oh, des fées? Ah non, non, non. Moi, je vois le... Je vois le bien partout, moi. Oh, des fées! Ok. Non! Mince! Yes! Allez, va dans le mur. Non, tu vas pas? Ok. Bon, moi, je te tire dessus. Ah si, c'est bon. Bon, les amis. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Mais c'est pas grave, on fait de son mieux. Écoute. Allez, vite! Non! Punaise! J'avais compris ce qu'il fallait faire. Je me suis trompé de bouton. Ah, je suis vraiment désolé. Ah non, mais j'aime pas ça. Ouais, et comment vous voulez faire? Vous m'expliquez? Punaise, ça pouvait être des fées, ça aurait été cool. Oh punaise, il en envoie deux. Bon là, il va falloir assurer. Hein. J'y étais, hein. Je suis sûr que c'était tes derniers trucs là. Non. Ouais, d'accord, le... ça attend un peu que je sois prêt au moins. Yes. J'espère vraiment que c'est la dernière fois. Parce que les petites fées là au milieu qui arrivent, c'est super tendu ça. Bon, A pour sortir, X pour tirer. Pas compliqué. A pour sortir, X pour tirer. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fabrique là? Je comprends pas. Vous pensez que je peux l'avoir par derrière en tirant genre une flèche là? Yes et yes! Je l'ai eu, je l'ai eu! Bim, dans ta face! J'ai vraiment cru que... c'était fini pour moi, quoi. Ah... Crève. M'en fous de toi. Moi, je veux la princesse. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu que je... Ainsi, c'est également à vous que je dois mon emprisonnement sur cette toile.
Princesse Hilda, en tant que souveraine d'Hyrule, je comprends que vous ayez voulu tout tenter pour sauver votre royaume. Comment pourrais-tu comprendre? Protégé par sa triforce, ton royaume n'a rien à craindre. Pourtant, je... Tout n'est pas encore perdu, je ne l'accepterai pas. Attendez! Non. Oh, c'est qui? C'est Link violet? Je préfère Link violet que Link roux. Hein. Gaius, je suis en fait un habitant de ce monde. J'étais au service de Dame Hilda il y a bien longtemps. Princesse Zelda, si cela ne vous fait rien, j'aimerais essayer de lui parler. Dame Hilda, tu as fui notre royaume, pourquoi es-tu revenue? Je vous demande pardon, Princesse Hilda, je ne suis qu'un lâche, comme vous le savez. J'étais incapable de vous arrêter, Yuga et vous. Je suis donc parti demander l'aide du héros d'Hyrule. Ainsi, tu m'as trahi pour te ranger aux côtés du héros? Ce n'est qu'une façon de voir les choses. Ce que je voulais surtout, c'était voir l'Orule retrouver sa lumière d'antan. Mais la poursuite de ce but nous donne-t-elle le droit de condamner Hyrule? Si tu ne prends pas ce droit, c'est l'Orule que tu condamnes. Croyez-moi, je sais à quel point le destin de l'Orule vous tient à cœur. Mais croyez-vous sincèrement que votre méthode soit défendable? Après tout, vos ancêtres avaient une bonne raison de détruire la Triforce. Ils voulaient mettre fin au conflit né de la convoitise qu'elle éveillait. Mais en menant à bien votre plan, votre Altesse, vous laissez votre convoitise pour la Triforce répandre une nouvelle fois la destruction. Princesse Hilda, je voulais vous sauver de vous-même, vous qui n'avez jamais voulu que le bien de l'Orule. Princesse Hilda, il est encore temps de tout arrêter. Sans sa Triforce, l'Orule a perdu son lustre et sa grandeur. Mais c'est toujours notre royaume. Et là, elle se réveille. Boum, encore un boss. C'est jamais, hein. Non, c'est bon. Princesse Zelda, je crains de m'être égaré en chemin. Le pouvoir de la Triforce m'a aveuglé. Je ne suis pas digne de régner sur l'Orule. Princesse Hilda. Gaius, héros du royaume d'Hyrule, tu possèdes le véritable courage et ton cœur est pur. La place de la Triforce est dans ton monde, c'est là qu'elle doit reposer. Je vais vous renvoyer tous les deux en Hyrule et la Triforce vous y suivra. Ce lieu est notre terre sacrée. C'est Yuga qui découvrit ce passage. Nous avions appris l'existence d'une Triforce de l'autre côté et nous élaborâmes notre plan. Puis-je avoir ton bracelet, Gaius? Il reste suffisamment de magie dans ton bracelet pour vous renvoyer tous les deux en Hyrule. Gaius, héros du royaume d'Hyrule, j'aurais tellement voulu te ressembler. Rends-moi tout ce que tu m'as acheté, tout ce que tu m'as eu là, tout ce que je t'ai acheté, tous ces sous!
Franchement, c'était vraiment un super jeu. C'était vraiment génial. Bon scénario, bonne idée, passer dans le mur. Au début, je me suis dit non, ça va me gonfler, ça va pas être cool. Mais en fait, on s'y habitue très facilement. Ouais, franchement, génial. Galius, m'entendez-vous? Je vous en prie, réveillez-vous. Bon, tu peux me tutoyer. Vous n'êtes pas blessé? Galius, regardez. Un oiseau, deux oiseaux. Nous sommes rentrés chez nous. Allons-y, Galius. C'est moi qui contrôle, hein, pour ceux qui savent pas. Non, j'y vais pas. Ah, je peux lui parler, attendez. Voici la terre sacrée du royaume d'Hyrule. Princesse Hilda, la Triforce que nous avions perdue, vous la vouliez pour sauver votre royaume, n'est-ce pas? Galius, vos efforts ont permis de reconstituer la Triforce. Son pouvoir est entre de bonnes mains, je n'en doute pas un instant. Ainsi, il ne nous reste plus qu'une seule question à régler. Galius, nous souhaitons la même chose, vous et moi, n'est-ce pas? Ouais, bah je veux sortir avec toi, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, je veux le bisou. Allez. Touché. Oh, c'est pas un peu chelou ce jeu-là? Non, j'imagine que ça touche la Triforce. Voilà, c'est bon, on n'avait plus de chemin entre nos deux mondes, enfin d'après ce que j'ai compris. L'autre est content, elle est pas contente. Zelda, merci à toi. Merci, Galius. De rien, enfin de rien. Tu m'as quand même bien embêté tout le long. Mais c'est ainsi que se termine The Legend of Zelda. Voilà, c'était donc le dernier épisode de cette série. Commencé il y a fort longtemps, dans un monde fort lointain. J'ai commencé donc dès la sortie du jeu en fait, un jour après le temps de mettre la vidéo en ligne, donc c'était fin novembre, il me semble 22 novembre 2013. Nous sommes actuellement, enfin je sais pas quand est-ce que je sortirai l'épisode, mais moi aujourd'hui nous sommes le 3 juillet. Merci voilà à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, je pense. Il n'y en a pas beaucoup qui ont dû rentrer entre temps. En tout cas, bah, vous pouvez me le dire si vous êtes venu entre temps. Mais ce jeu, Zelda sur 3DS, je trouve que c'est un. Ils ont bien utilisé la 3D pour le jeu. Bon, même si je ne l'utilisais pas, mais je veux dire cet effet 3D. Beaucoup mieux réussi, je trouve, que sur la DS ou même sur la GBA. Bon, en même temps, ça date, hein, je suis d'accord. Mais ils ont bien exploité ce système-là. Et aussi, ils ont réussi à trouver un autre scénario, enfin, même si c'est quand même basé sur A Link to the Past, je n'y ai pas joué. Hein. Mais on m'a dit que c'était un genre de remake. Je pense qu'il est, il est mieux, hein. J'imagine quand même mieux. Plus de quêtes annexes dans ce jeu-là. Mais voilà, franchement, c'était un jeu que je conseille vraiment à tout le monde, tous les fans de Zelda. J'imagine, bon, je ne suis pas un grand fan de Zelda, mais j'ai beaucoup pris de plaisir à jouer à ce jeu.
Et souvent, voilà, comme vous voyez, là j'ai enchaîné 3 épisodes d'affilée parce que j'ai envie d'en savoir plus. Toujours ce petit suspense qui nous dit, allez, il faut continuer de jouer au jeu. J'ai envie de découvrir un peu plus. Je sais que j'ai pas terminé le jeu à 100%, je suis d'accord. Il y avait d'autres petites quêtes à faire, mais on va quand même s'arrêter là parce que je pense qu'on en a fait pas mal. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé au cours de la série. J'ai pas vraiment de nom, je préfère pas donner de nom parce qu'après je vais en oublier certains. Mais voilà, vous étiez quand même assez nombreux, je prenais en compte vos remarques la plupart du temps. Sauf quand je tournais d'affilée, évidemment, je pouvais pas prévoir. Mais en tout cas, voilà, ça aurait été vraiment un jeu sympathique. J'aurais galéré, je suis d'accord. Le son est un peu plus fort, j'ai fait exprès de le mettre un peu plus fort. Je vais le rebaisser. Voilà. Vous entendez le petit remix de la chanson? Ben je crois que c'est tout, il me semble. On va se quitter là. Voilà, encore merci hein, d'avoir visionné cet épisode, cette série. Je suis content d'ailleurs d'avoir fini les derniers boss sans perdre. Franchement, respect, hein, je me suis amélioré hein, entre nous. Et puis voilà, et puis si la prochaine fois il y en a qui pouvaient éviter de gâcher le plaisir en disant ce qui va se passer à la fin, parce qu'il y en a qui m'avaient dit que c'était Hilda. Hilda Lavio, je l'ai vu dans les commentaires. Bon, c'était pas très très sympa de votre part, voilà. Bon, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Ceux qui l'ont fait, voilà, je trouvais ça pas très sympa de votre part. Mais bon, soit, vous étiez peut-être pas au courant, c'est pas que. Ah, j'adorais cette musique. Quand on allait la voir. Ça, c'était énorme. Et voilà, donc on finit avec le tableau de Zelda, la princesse. J'aurais pas eu mon bisou, je suis un peu déçu. Pourquoi? Hein? Pourquoi j'ai pas eu de bisou? Je t'ai sauvé la vie. Peach, elle donne un bisou à Mario. Ah, peut-être que maintenant, attendez. Non, mais en fait, je pense qu'ils sont pas faits pour être ensemble. C'est juste qu'il est toujours là pour sauver la princesse et puis c'est tout. Regardez, il y a l'avion en bas à gauche. Zelda, Link. Et en bas à droite, c'est qui? Est-ce que c'est Hilda? Non, je suis pas sûr. Hein. Je pensais plus à ça sera là. Nintendo est l'auteur de ce logiciel au regard du droit d'auteur. Tout droit réservé. C'est ça, Nintendo. Vous pourrez récupérer les sous sur cette vidéo. Allez-y, prenez-les. Je sais que vous allez reconnaître la musique. Ah là là. Et ouais, je touche pas de sous. Les vidéos sont pas monétisées pour la série. Enfin, pas toutes en tout cas. Et là, la plupart à la fin ne sont pas monétisées. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il replante l'épée. C'est beau. C'est beau, mais est-ce que c'est fini là? Ah, fin. Désolé, j'anticipe un peu. Voilà, bon, c'est sur cette belle image qu'on va se quitter. Encore merci à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle série. Je vais continuer Professeur Layton. Donc, Zelda, c'est fini pour le moment, hein. Je vais déjà finir les séries qui sont en cours. Voilà, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss!